へ行け八蜜蜂八飛べ飛べ八みなしご八姿優しいもん白蝶々おどけばったにテントムシみんな友達仲間だけれど母さん星かろう恋しかろう行け行け八蜜蜂八飛べ飛べ八みなしご八Ici aussi, la suie et la fumée ont remplacé la nature et l'air pur. Là-haut, le ciel n'est plus bleu. Les oiseaux ont cessé de chanter. L'herbe ne verdit plus. Les fleurs meurent. Tandis que les bienfaits de la nature se font plus rares, la vie des insectes devient plus difficile. C'est ton affaire, pas la mienne. Va-t'en et ne reviens plus. Tu es fou? Tu ne vois pas que c'est la seule fleur saine des environs et j'ai beaucoup d'enfants à nourrir. Écoutez, Vera Soir, mangez bien pour devenir plus grand et plus gras. Et si vous m'étiez reconnaissant de vous avoir élevé, petits orphelins, vous me feriez un grand cocon de soie. La journée se termine déjà. Allons, ce n'est pas le moment de vous reposer. Mangez. Allez, mangez. Mademoiselle, j'ai trouvé un endroit intéressant et je suis venu pour te chercher. Tu pourrais être plus aimable quand on t'invite, hein? Allez, viens, arrête de manger ces feuilles insipides et prenons rendez-vous. Je t'offrirai quelque chose de bon. Qu'en dis-tu, petite? Hein? Non, merci. Et toi, petite? Et toi, Cathy? Dis-moi, cafard. Oui, petite, qu'y a-t-il? Sais-tu où je pourrais trouver du miel? Du miel? Chut! Je ne veux pas que quelqu'un m'entende. Je comprends, je te le dirai si tu m'accordes un rendez-vous. Comme m'arrive-t-il? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas du tout ce qui a pu m'arriver. Oh, ne bouge pas, tu dois rester au lit. Voilà, je t'ai apporté un peu.
peu de miel. Oh. Maintenant, mange et repose-toi. Plus de miel. Je t'ai trouvé évanouie dans les broussailles. Alors, je t'ai ramenée dans ma chambre. Mmh. Voilà. Mmh. Voilà, c'est fini. Ce miel était délicieux. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça. Oh, pardon, mon nom est Ochi. Le mien est Cathy. Cathy, eh bien, je te remercie encore. Je suis vraiment très, très reconnaissante. Mais je dois partir à présent. Je dois partir, il faut que j'aille retrouver ma maman. Je n'aime pas perdre du temps. Oh, tu n'es pas en état de sortir maintenant, tu ne peux même pas voler. À présent, cesse de t'inquiéter et repose-toi chez moi jusqu'à ce que tu ailles mieux. Tout ira bien, ne t'en fais pas et dors, je t'apporterai du miel. Cette peau devenait vraiment trop petite pour moi. C'est leur dernière mue. À présent, elles sont prêtes à faire des cocons. Lorsque vous m'aurez fait un bon gros cocon, vous serez libre d'aller où vous voudrez. Et toi, tu fais l'idiote, hein? Regarde, tes frères et sœurs ont déjà tous rejeté leur peau. Pour qui me prends-tu? Je ne t'ai pas nourri pour rien. Je t'ai nourri pour que tu me donnes du bon fil de soie. Maintenant, continue à manger et ne pense à rien d'autre qu'à fabriquer un beau cocon. Cathy! Voilà, je t'ai apporté un peu de miel. Mais que fait Cathy avec du miel? Elle n'aime pas ça, elle ne mange pas. Merci, gentil cafard de roche. Ah non, tu n'auras pas du miel avant de me promettre de me donner rendez-vous. Rendez-vous? Oh, rendez-vous. Comment faire, Cathy? Voilà 10 jours que je t'apporte du miel, Cathy, 10 jours. S'il te plaît, cafard de roche, patiente encore jusqu'à ce que je fasse mon cocon, alors je serai libre. Ah non, tu ne penses pas me duper, je sais que tu t'envoleras ailleurs. Mais non, je te jure. Ah bon, si c'est une promesse, d'accord. Tiens. Merci. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Oh. Tu sembles aller beaucoup mieux, Chi. Merci, Cathy. Je l'ai vu, Cathy, je l'ai vu. Quoi? Je t'ai vu. Maintenant, je sais ce que tu faisais du miel que je t'apportais. Tu le donnais à ce fainéant. Oh. Arrête, 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 je te dis. Va au diable. Ochi. Je sais pourquoi tu mets si longtemps à changer de peau, Cathy. Ton maître a raison d'être en colère. Que veux-tu dire? C'est ta faute. Cathy est l'une des esclaves d'une grande mythe. Les autres esclaves sont prêtes à faire des cocons, sauf cette fille qui s'est occupée d'un paresseux comme toi. Tu comprends maintenant? Cathy, c'est à cause de moi? Rends-moi le miel que je t'ai donné ou je vais tout raconter à ton maître. Oh non, je t'en prie, ne fais pas ça. Alors feras-tu ce que je te dis? Laisse-la tranquille. Si tu veux que je te donne du miel, j'irai t'en chercher. Oh non, Ochi, tu n'es pas assez fort. Ne t'inquiète pas, c'est mon travail de ramasser du miel. Il a raison, va chercher la même quantité de miel que j'ai donné à Cathy. J'attendrai jusqu'à demain soir. Si tu ne peux pas trouver le miel, Cathy aura affaire à moi. Ochi, oublie ce miel et poursuis ton voyage, c'est plus important. Cathy, ne t'inquiète pas pour moi, Ochi. Va-t'en, c'est mieux.
Cathy, je te dis que ramasser du miel, c'est naturel pour nous, les abeilles. Alors cesse de t'inquiéter pour moi. Tu croyais que j'essaierais pas de me mettre en travers de ta route? Au travail, araignée! Ton ami est parti aussi, Cathy. Hein? Oui, ton ami Hutchie a repris sa route sans te dire adieu, Cathy. Il est parti. Tu mens, cafard. Alors cherche-le, tu ne le trouveras nulle part. Elle est encore plus jolie après sa dernière mue. Que fais-tu ici, cafard de roche? Moi et toi, monsieur Mythe. Je croyais que tu n'aimais pas la lumière du soleil. Et pas aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Attends, cafard. Mais je n'avais pas l'intention de me mettre sur ta route, monsieur Mythe. Je veux te parler. Toi, retourne à ton travail, Cathy. Je vais rester là jusqu'à la tombée de la nuit. Ne sois pas si nerveux, cafard. Ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. Ça ne va pas, Cathy? Regarde cette fleur, elle bouge alors qu'il n'y a pas de vent. Oh, il y a une abeille à l'intérieur. Cafard l'a enfermée là, il y a un instant. Ça doit être Hutchie. Oh. Hutchie! Hutchie! Gagou! C'est toi, Cathy? Hutchie, tu m'entends? Oh. Cathy, sors-moi de là, je ne peux pas respirer. Pour son ami Hutchie, Cathy, le gentil ver à soie, commence à filer pour l'aider à sortir de la fleur. Bien vite, elle tisse un beau et brillant rideau tout autour. Mais pour un ver à soie qui doit faire un cocon avec son fil, c'est comme si elle tissait sa propre mort. Cathy,
Cathy, tu es sûre que tout va bien? Uchi, laisse-moi ici et pars. Je dois vite faire un cocon, sinon je ne pourrai jamais devenir une mythe. Bon, alors je vais aller t'attendre dans ta chambre. Uchi, c'est un adieu, car je n'ai ni la force ni le fil pour faire un cocon. Je vais filer le peu qu'il me reste pour recouvrir mon corps. Je ne veux pas que tu me voies morte. Alors, qu'en dis-tu, cafard de roche? Mais, monsieur Mitch, je croyais que tu avais promis au ver à soie de les libérer dès qu'ils t'auraient fait des cocons. Je me trompe? Mais si j'attends que les vers à soie deviennent des mythes et sortent de leurs cocons, ceux-ci seront brisés et n'auront plus aucune valeur. Je veux que tu m'aides à faire bouillir les cocons dans l'eau chaude pour tuer les vers à soie à l'intérieur. Tu seras généreusement dédommagé pour ta peine. Un instant, monsieur Mitch, j'ai un marché à te proposer. Je ferai ce que tu dis si tu épargnes Cathy. Cathy, cette fille maigre, d'accord, marché conclu. Je vais faire bouillir l'eau dès que la lune apparaîtra. Oh, son cocon est si fin. Personne ne touchera à Cathy, je dois la sauver. Il faut que je la sauve, mais comment? Comment? S'il te plaît, maman, dis-moi ce que je dois faire. Il faut que j'aide Cathy. Elle a fait tant de choses déjà pour m'aider. Maman, je t'en prie, maman, je dois la protéger contre ces bandits. Dis, maman. La lune apparaît. Oui, monsieur Mitte. Hein, je déteste vraiment faire ça. Fais ton travail, cafard. Apporte les cocons avant que le jour se lève. Maman, je dois les combattre. Il le faut, même si je ne peux plus te chercher. Je suis sûre, maman, que tu comprends. Je peux pas abandonner la pauvre Cathy à son destin. Mais que fait ce gamin? Bon, j'y vais. Je t'en prie, maman, reste avec moi. Je sais ce que vous voulez faire, mais je vous laisserai pas avancer. Tu l'entends? Je vais l'écraser. Ha 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 ha
Regarde, Cathy est encore dans son cocon. Oh. Mais qu'a-t-elle donc? Son cocon est si fin qu'on va au travers. C'est ta faute, Chi. Regarde, Cathy est en train de mourir. De mourir? Mais que dis-tu là? Je sais ce qui s'est passé. Cathy a donné la plus grande partie de son fil de soie pour te sauver. Oh. Oh. Et maintenant, elle est trop faible pour se frayer un chemin hors du cocon. Aussi fin qu'il soit, elle va mourir, Chi. Tu l'as tuée. Oh non, Cathy, Cathy, Cathy. Je t'en prie, ne meurs pas. Tu peux bien pleurer maintenant. Cathy va mourir par ta faute. Elle va mourir. Chi attendit et attendit. Il pria pour la jeune fille qui maintenant mourait pour lui. La pluie commença à tomber et, sans pitié, effaça la splendeur du matin. Maintenant, toutes les fleurs sont mortes et fanées et tu n'es pas sortie. J'espérais que voler dans l'air avec toi, nous aurions pu nous amuser tous les deux. Pauvre Cathy, petit verre à soie au grand cœur. Parviendras-tu à sortir de ton cocon et à t'envoler vers le ciel? Adieu, Cathy. Adieu.